Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de stéganographie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'art de cacher des fichiers dans d'autres fichiers. Voilà, ça peut être des photos, des fichiers texte, n'importe, dans des fichiers audio. Alors le logiciel que je veux vous présenter aujourd'hui, il s'appelle Debsum. Donc vous allez sur Google, vous tapez Debsum et vous allez le télécharger. Voilà, donc ici Debsum télécharger. Voilà, donc télécharger. Le voici, enregistrer fichier. Et donc le voilà. Donc moi je ne vais pas l'installer parce que je l'ai déjà fait. Je vais simplement l'ouvrir. Donc voilà, ça vous donnera une icône comme ça. Alors le voici. Alors j'ai déjà préparé ici un fichier audio dans lequel je vais mettre par exemple ces trois fichiers-là. Donc il y a une photo ici et deux fichiers texte. Mais vous pouvez mettre quatre fichiers, 5, 6, il n'y a pas de limite en fait. Donc voilà comment ça marche. Donc vous allez mettre le fichier dans lequel vous allez cacher les choses. Vous le mettez là. Hop, vous faites que c'est là. Voilà, il est ici. Et les fichiers que vous voulez dissimuler, vous allez les glisser ici. Les voilà. Donc, ces trois fichiers-là, ils vont être cachés à l'intérieur du morceau de musique. Et une fois que le morceau de musique est fait, il est compatible donc avec les appareils audio, que ce soit avec les USB, dans une voiture, dans n'importe. Même gravé sur un CD. Et le jour où vous voulez accéder à ces fichiers cachés, à ce moment-là, je vais vous montrer après comment il faut faire. Donc déjà, on va cacher ces fichiers. Donc là, on fait encoder secret. Donc là, il vous propose un format de sortie web. Donc je vous conseille quand même de laisser celui-là, parce que c'est le format le plus répandu et ce qui marche le mieux. Après, on va coder ça en cochant cette case avec AES 256 bytes. Donc, on vous demande un code. Donc, le code, je vous conseille quand même 10 caractères. Parce qu'aujourd'hui, 6 caractères, c'est rien du tout. Hein. Dans la journée, il est craqué. Donc, 10 caractères. Donc, là, pour laisser, je mets n'importe quoi. Alors, plus de 10 caractères. Vous pouvez mettre jusqu'à 32. Donc, vous voyez un peu. Donc après, encoder fichier secret, succès, voilà. Et normalement, il y a notre fichier qui doit apparaître quelque part. Voilà. Donc logiquement, c'est celui-là. Voilà, attendez. Attendez un peu. Ah, je comprends. J'ai pas réglé ici dans Setting vers où je devais envoyer le fichier. Voilà pourquoi. Et je vais le mettre sur bureau. Comme ça, on va le voir apparaître direct mieux. Parce que c'était pas un vrai fichier. Voilà. Donc, j'encode les fichiers. Je recommence là. Voilà. Je mets le mot de passe. Donc, 10 caractères minimum. Entre 10 et 32, donc encoder secret, et voilà. Et voilà le fichier. C'est le même fichier musical que celui-là, sauf qu'il a ces trois fichiers-là incorporés, cachés, que personne ne peut savoir. Donc vous ouvrez le fichier original du départ, donc vous avez votre morceau de musique. Voilà. Et vous ouvrez celui qu'on vient de fabriquer, donc c'est exactement le même. Voilà, et personne ne peut savoir. Donc on va effacer celui de que j'ai pris là. Voilà, et je vais effacer aussi mes fichiers que j'ai cachés dedans, pour qu'on voit bien que ça marche super. Voilà. Donc vous voyez, j'ai aucun fichier, j'ai rien. Admettons maintenant
Un jour, vous allez avoir besoin de récupérer les fichiers qui étaient là, pour n'importe quoi, voilà. Que ce soit gravé sur un CD, USB, n'importe à quel support, vous pouvez les récupérer. Ce que vous faites, vous reprenez la musique, vous la remettez là, et vous voyez, on va vous demander le mot de passe. Donc là, il ne faut pas l'oublier par contre. Donc je retape mes 10 caractères. Voilà, et vous voyez, ça vous montre les fichiers qui sont cachés dedans. Alors après, on fait extract les secret files, donc les fichiers secrets. Voilà, et vous voyez, ils sont là. Voilà. Donc je ferme, et vous avez de nouveau vos fichiers disponibles. Voilà. Vous faites ce que vous voulez avec, tout ça, et après vous recommencez. Et après, voilà quoi. Si c'est gravé sur un CD, le fichier en lui-même, il ne va pas bouger. Donc, une fois que vous avez utilisé vos fichiers, vous les re-effacez. Et puis, voilà. Le jour où vous allez avoir besoin de nouveau, vous refaites la même manipulation. Et voilà. Alors après, voilà, il n'est pas compliqué du tout. Hein. Alors les réglages ici, bon, langue par défaut, bon, il faut laisser l'anglais, hein, sinon après, bon, c'est compliqué. Donc la direction de votre... Si vous ne voulez pas l'amener sur le bureau, vos fichiers là, vous le réglez ici. Et vous le mettez là où vous voulez, en fait, sur un support. Voilà. Vous pouvez changer le thème, au lieu que ce soit bleu là, vous pouvez faire comme ça. Voilà, moi personnellement, ben, je préfère comme ça, mais bon, chacun ses goûts. Voilà. Et voilà, c'était une vidéo importante. Et n'oubliez pas surtout de... Ça fait partie d'une autre vidéo que j'ai déjà fait, d'aller sur TotalVirus et de scanner ce logiciel avant de l'installer. Comme ça, vous êtes sûr à 100% qu'il n'est pas infecté. Parce que suivant le site sur lequel vous le prenez, des fois, c'est pas trop top. Hein. Voilà. Ou alors, vous le prenez là où je l'ai pris, moi. Mais je vous quand même conseille régulièrement de le faire. Hein. Et vos mots de passe, de les changer régulièrement aussi. Hein. Pas les mots de passe de votre fichier, mais des mails, de n'importe quoi, changez-le régulièrement. Parce qu'à l'heure actuelle, 6 caractères, c'est rien du tout. Dans la journée, ils sont piratés. Mettez 10 caractères, c'est plus compliqué à s'en souvenir, mais déjà un numéro de téléphone, c'est déjà 10 caractères. Donc faites un effort, parce qu'en ce moment, sur Internet, le piratage de mots de passe, ça y va fort. Hein. Sur ce, bonne journée. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait pour une prochaine vidéo. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, à bientôt. Merci.